le rôle du pharmacien, de la pharmacie de demain, c'est un rôle de sentinelle de santé. Le pharmacien doit être au cœur du système de santé, en relation avec les différents médecins, pharmaciens, kinés, infirmiers, tous les professionnels de santé d'un territoire, pour assurer la meilleure coordination possible autour de la prise en charge de nos patients. Je rajouterais du coup dans l'idée que c'est un lieu aussi d'éducation pour la santé, où on peut être une ressource et un relais du coup vers d'autres professionnels de santé pour les patients. Et effectivement, cette notion de sentinelle, un peu de pouvoir aider les patients à s'aiguiller, ou les familles des patients, leurs aidants du coup aussi, pour qu'ils sachent où trouver des ressources adaptées à leurs besoins, en lien avec les ressources du territoire et les différents acteurs du territoire. Ça doit être un bel endroit du coup accueillant, convivial et humain. Et pour ça, le pharmacien doit se préparer au changement qui va être opéré de plus en plus vite dans son métier. Donc la formation, l'écoute à la fois des patients, mais aussi des professionnels de santé, apprendre à se connaître, apprendre à maîtriser son environnement, et à maîtriser les outils de demain. Pour moi, la pharmacie de demain, ça serait une pharmacie qui pourrait prendre en charge les femmes dès leur grossesse pour pouvoir les suivre dans un accompagnement de choix d'alimentation de leur enfant à venir. Une pharmacie en fait, dans laquelle elles pourraient avoir des supports pour bien choisir, avoir les bonnes informations et pour pouvoir aussi être accompagnées au retour de maternité dans la prise en charge de l'allaitement maternel, parce qu'aujourd'hui, trop de mamans sont perdues, qu'on puisse créer des réseaux également de pluridisciplinaires pour pouvoir accompagner ces mamans. L'officine est un lieu simple d'accès, on peut y rentrer quand on veut, il n'y a pas d'horaire, et elle pourrait y avoir des prises en charge rapides sur les premières choses, les premiers gestes à faire en cas de problème, ou pour pouvoir être alertée, j'ai tel signe, je dois faire ça, et je suis orientée vers un autre bon professionnel. Voilà, pour moi la pharmacie demain, pour ces mamans-là, est importante, parce qu'aujourd'hui elle est inexistante.